Bonjour Arthur. Oh, ça pique. Non, non, c'est la lumière chez qui m'a piqué. Alors, où est-elle? Elle a pris ça. Mais non, c'était les trucs d'hier. Je cherche. Là. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, parce que j'ai pas les yeux en face des trous, moi. Bah... C'est quoi? Papier toilette? C'est du papier toilette? C'est du papier toilette? Oui, on est d'accord. N'importe quoi! Elle a dû être serrée, hein? Elle a dû être serrée? Elle est toute mince, tu sais. Eh ben. Oh bah oui. Non mais. Regardez qui c'est qu'on croise sur la route. On n'a rien pour vous. Alors, ils sont beaux. Ils sont super beaux. Ah, ils ont vu qu'on n'avait rien, du coup ils vont s'en aller. Bonne journée. Recoucou, je suis sur le chemin du retour de l'école. J'ai donné à Arthur 3 grosses boîtes de mouchoirs qu'on a achetées ce week-end. On essaie un peu d'aider dès qu'on peut au maximum l'école via tout ce qui est coopérative scolaire, tout ce qui est petits dons comme ça, les boîtes de mouchoirs. Là, Arthur m'a dit vendredi que la boîte qu'ils avaient dans la classe était presque à la fin. Et du coup, voilà, j'ai acheté 3 grosses boîtes de mouchoirs. Vous savez, les boîtes familiales là où que les enfants peuvent piocher. Et du coup, hop, voilà. On essaie d'aider un petit peu, comme c'est une petite école de village, qu'ils ont quasiment pas d'aide. Par petits gestes comme ça, c'est vrai qu'on essaie d'aider un petit peu. Voilà. Il était chargé, il a failli tout faire tomber. Enfin bref, je lui dis, tu donnes directement au maître. Il fait un temps, alors il fait frais. Il y a un peu de brouillard, mais ça va. Je crois qu'il fait 2-3 degrés. Mais franchement, ça va, il fait pas trop froid. Bref, je rentre. Et je vais mettre le vlog en ligne, le vlog d'hier. Et je vous retrouve après pour l'ouverture des calendriers. A tout de suite. Je vous retrouve pour les calendriers Zébardi. Alors, on commence par le Kinder. Oui, j'ai brûlé le... J'arrive à tenir à jour les autres années où j'ai eu un calendrier de bougies. J'arrivais pas à tenir à jour. Souvent, je pensais pas à la brûler. Du coup, le lendemain, ça s'accumulait. Ce qui est pas très grave en soi. Mais j'aime bien en fait me tenir à jour et brûler la bougie du jour, le jour. Et là, bon, il en restait un petit peu, donc je vais pouvoir la rallumer pour le fond, vous voyez. Mais j'arrive à être à jour. Elle, par contre, elle sent trop bon. J'arrive à être à jour pour les bougies. Ça, c'est cool. Donc, numéro 6 déjà. Ça y est, on arrive à la fin de la première semaine. Ah ouais, numéro 6. Oh, ça sent l'œuf Kinder. C'est tout ça la case. Alors, c'est parti. Êtes-vous prêts? Oui! Je suis comme une gamine, ça me rappelle tellement mon enfance, les œufs Kinder. Oh, je vous montrerai la surprise quand je l'aurai mangé. Ok, trop cool. Trop cool. Attendez. Voilà. Oh, je suis trop contente. Ok, on va le mettre sur la bougie. La bougie, justement. Alors, la bougie du jour, numéro 6, là. Winterberry, ah on l'a déjà eu, ça y est, on va commencer à reboucler, mais c'est pas grave parce qu'en soi, toutes celles qu'on a senties, enfin qu'on a eues pour l'instant, m'ont plu, elles sentaient toutes très bon. Oh, celle-là, ouais, elle sent vraiment les fruits rouges avec un petit côté épicé. Un peu pas boisé, mais un peu frais, genre des pains, P-I-N-S. Elles sont trop bon. Voilà, très contente. Bon, c'est vrai que l'idéal, ça aurait été d'avoir une senteur différente. Une senteur différente par jour. Surtout que je pense que Party Light, ils ont au moins 24 senteurs différentes, je pense. Genre, il y aurait pu avoir du café, chocolat, miel. Je sais pas si ça, ils ont dans leur truc, dans leur catalogue. Mais c'est des senteurs qui font un petit peu hivernal, cocooning. Donc,
Mais je suis quand même contente parce que les senteurs qui sont présentes dans le calendrier sentent très bon. C'est juste que oui, effectivement, on en veut toujours plus. C'est découvrir réellement 24 senteurs différentes, ou au moins 12, au moins la moitié, puis ça revient au bout des 12 jours. Ça aurait été pas mal. Voilà. On fait quoi ensuite? Le café? Le petit café que je vais boire ce matin en votre compagnie. Et puis, avant de faire la case et demie que je n'ai pas fait hier et d'attaquer les trois autres cases. Alors, numéro 6. Juste là. Oh, oh, c'est un expresso. Je vous ai dit hier que je ne suis pas trop expresso. Enfin, je crois que c'était hier. Alors, attendez. On va regarder ça de plus près. Moi, j'adore les gros cafés. Donc, après, c'est peut-être un bon expresso. Et je me referai un gros café derrière. C'est pas grave. Donc, Marsila, je pense que ça se dit comme ça. Marsila El Café Superior. Expresso. Ok, je vous montre. Je connais absolument pas. J'adore le marron. Moi, je fais attention à tous les petits détails, mais cette couleur marron, j'adore. Voilà, écoutez, je vais goûter. Oui, au pire, je me ferai un grand café derrière. Moi, l'expresso, c'est le fait que ça soit très, très, très concentré et petit. Enfin, c'est tellement vite fini. C'est pour ça que je bois jamais d'expresso. À part si je suis quelqu'un et que la personne me fait ça, j'ose rien dire et je dis merci. Mais bon, sinon, en général, c'est vrai que j'aime bien les gros cafés. Ensuite, le thé. Je crois qu'on faisait le thé après. Alors, on va regarder si l'image est encore un indice sur le thé. J'ai Sandra qui m'a envoyé un vocal et qui m'a fait... Elle a fait l'ouverture du calendrier en vocal. Elle me fait « Oh, le thé !» Oh, donc apparemment il a l'air bien. Et elle dit je dis pas parce que je sais pas si tu l'as ouvert. J'ai tout de suite écrit je l'ai pas ouvert. 6. Alors on a du chocolat. Alors, je sais pas si vous allez voir. Une petite tablette de chocolat. Ouais. Une petite tasse et une espèce de bouilloire. Donc un thé au chocolat. Si vraiment derrière il y a un truc au chocolat, c'est que la personne avait raison. Les dessins sont des indices. Et ça c'est un truc de ouf parce que on va vraiment se concentrer pour essayer de deviner. Soit c'est un indice sur le nom, soit un indice sur le goût du thé. Mon petit chocolat. Oh, la théorie est donc vraie? Ils ont pensé à ça? Oh, j'attends. Bon, ça serait vraiment vrai alors. Mon petit chocolat. Oh non! Bon, écoutez, on va essayer de se concentrer. Donc, soit, du coup... Alors, il s'avère qu'hier, c'était réellement un jeu de mots. Space, spice. Oh, Arnaud avait raison et la personne avait raison. Mais moi, en fait, je ne sais plus qui me l'a dit en commentaire hein, sur un des vlogs. Si la personne ne me l'avait pas dit, je n'aurais absolument pas vu. En fait, on serait arrivé au 24, que je n'aurais pas fait le rapprochement entre l'illustration et l'intérieur. Là, ça confirme. Je veux dire, là, ça confirme. Il y avait une tablette de chocolat, une tasse. Donc, mon petit chocolat. Thé noir, arôme cacao, biscuit, amande, pétale de fleurs. Ça va être trop bien pour le goûter. Ok. Ensuite, et si? Alors, et si? Ma théorie, c'est que ça va être un soin. Parce que là, ça fait quand même... je crois que c'est le deuxième jour qu'on a eu un vernis. Un soin. Donc là, on est le sixième jour. À mon avis, ça va être un soin. Un soin ou autre accessoire que vernis. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Alors, faut déjà que je trouve... Ah, ici. Oh, c'est une grosse case. Trop grosse pour être un vernis. Alors, voyons voir. Ah je n'ai rien dit. Attendez. Oh, il est beau, c'est quoi ça? Attendez, c'est un truc futuriste. Le contraire de vintage. Le design, mais c'est quoi? Platinum grade finish. Ah, c'est un top coat. Oh, ah, j'avais raison, c'est pas vraiment un vernis. Mais je crois que j'ai jamais eu de top coat de la marque Essie. Par contre, le pot, ils se sont gavés sur le design. C'est trop beau. Attendez, il pleut? Ah non, il pleut pas, j'avais l'impression. Oh, ce design, c'est super joli. Et du coup, ouais, il y a marqué top coat. Et c'est platinum grade finish. C'est ce qui est écrit, attendez, c'est ce qui est écrit ici. Voilà, et là, donc il y a marqué à l'endroit peut-être top coat. Ok, donc ça c'est cool. Bah écoutez, je vais pouvoir tester.
Ah, j'adore tellement l'odeur des vernis, oui, donc bah, vernis transparent, classique. Écoutez, c'est trop bien en plus, c'est un gros format, mais vraiment gros format. Je suis vraiment contente. Trop jolie. Écoutez, un top coat, ça sert toujours. Voilà. Très bien. La pierre du jour. C'est parti. Alors, numéro 6, ici. Je vais essayer de réussir à l'ouvrir. Ah, j'ai... Non, je regardais quand même si mon ongle était pas pété. C'est pas le moment. J'ai fait un perfect. Il y en a deux. Quoi? C'est normal ça? Mais j'en ai deux, c'est pas normal, je pense. Amazonite, joie de vivre, apaisement, communication. J'avais deux amazonites, parce que c'est la même, c'est clairement la même pierre. J'avais deux amazonites dans ma... Comment se fait-ce? Ça se trouve, c'est rempli très rapidement, de toute façon, je pense. Et ils ont pioché comme ça, ils ont mis comme ça. Pourquoi j'aurais deux pierres alors qu'on en a qu'une par case? Ma meilleure amie a le même, puisque c'est elle qui me l'a offert. Il va falloir que je lui demande. Il va falloir que je lui demande. Je vais pas la spoiler, je vais lui dire, est-ce que t'as ouvert ta case ce matin? Si elle me dit non, je vais lui dire, bah écoute, je te spoil pas de la pierre, mais j'en ai eu deux. Donc, alors, je vous montre. Non mais j'ai clairement eu deux pierres, c'est pas une qui est cassée, hein. Il y en a une plus fine et une plus grosse, quoi. J'ai eu deux pierres. Mais non. À moins que... Mais non, c'est la même. Hein. Ouais, elles ont... Bon, elles ont pas les mêmes aspérités, quoi. Mais il y en a une qui est un peu brute. Enfin, qui est moins polie que l'autre. À moins que ça soit une pierre du dessus qui soit tombée. Attendez. La case du dessus... Non, la case du dessus, je me spoil pas, mais je vois qu'il y a une pierre. Non, bah non, hein. En dessous, je pense qu'il y a une pierre aussi. Non, mais les cases ont l'air bien hermétiques. Donc, parce qu'il y en a une qui est fine. Donc, on pourrait croire. Non, puis, bah, de visu, ça a l'air d'être les mêmes pierres. Bon, je vais vous montrer. Je me lève. Regardez, elles, c'est vrai qu'elles sont un peu différentes. Mais non, mais c'est les mêmes pierres. Elle, même au toucher, elle fait un peu plus brute. Et l'autre, on voit qu'elle est un peu plus polie. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Elle dit bonjour, s'il te plaît, elle est bien polie. Donc, mais c'est la même pierre. C'est la même pierre, on est d'accord. C'est juste qu'elle est un peu différente, mais parce que toutes les pierres sont... Chaque pierre est unique, on va dire. Mais écoutez, si c'est ça... Après, ça se trouve, c'est pas un truc de fifou, et Julie va aussi avoir eu deux pierres. Mais écoutez, c'est peut-être mon jour... J'ai failli la faire tomber. C'est peut-être mon jour de chance. Écoutez, pourquoi pas? Alors, on a dit que c'était quoi? J'ai oublié. Amazonite? Ouais, Amazonite. On va regarder dans le petit fascicule. Alors, Amazonite. L'Amazonite permet d'éveiller sa joie de vivre. Sélectionnée pour ses vertus apaisantes, elle aide à relativiser et nous ramène à l'instant présent. Très très bien. Écoutez, j'ai deux fois plus d'apaisement. J'ai deux apaisements pour le prix d'un. Mais je suis trop contente. Ça se trouve, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le petit jour de chance. Écoutez, c'est comme ça. Bref, sur ce, mais je vais prendre le thé. Non, pas le thé, pas du tout, pas du tout. Le café, enfin l'expresso. Et je vous retrouve tout de suite pour la dégustation. Alors, je vous retrouve pour la dégustation. Alors, et quand vous... Expresso, ils ont pas menti. Hein. Attendez. Non, là. Voilà, on voit le fond de la tasse. Pourtant, c'est une petite tasse. Écoutez, nous allons déguster cet expresso. Oui, mon chat, je te sors. Comme par hasard, j'allume la caméra. Le chat, il veut sortir. Oui, mon chat, c'est la fin du monde. Maman, elle arrive. Maman, elle déguste son expresso, qui est sûrement beaucoup trop corsé pour son palais, mais c'est pas grave. Attendez, il va remuer dans 10 secondes. Ah. Ah bah là ça te réveille. Là c'est-à-dire que ça te réveille tout. Le cerveau, les papilles, la bouche, le corps. Ah ouais, non, 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 non. Oh. Vous savez, ça me fait le même...
la même impression. Alors, ceux qui. Alors moi, je bois de temps en temps, bah, de temps en temps, anniversaire, Noël, de l'alcool, très rarement à la maison, parce qu'on ne boit pas d'apéro et tout à la maison. Arnaud ne boit pas une seule goutte d'alcool. Donc, il boit genre une bière tous les 2-3 ans, pour vous dire un peu son niveau d'alcool. Tout ce qui est alcool fort, jamais, jamais, jamais de la vie. Donc à la maison, c'est vrai que nous on boit pas l'apéro, des choses comme ça. Donc Noël, c'est vrai que Noël j'aime bien prendre vodka coca. Je sais, c'est l'aberration pour certains. Moi j'aime bien la vodka avec le coca. Et ben quand on dose un peu trop le verre, vous savez, tu t'es confiant, tu bois ta première gorgée puis tu fais, parce que le truc ça te décape quand ça passe et puis ça te, tu te dis ah, une dose de cow-boy là, non? Ben là c'est une dose de cow-boy de café. Ça fait la même sensation de. Ah. Ah. Ah mais ah, j'en ai des frissons dans tout le corps. Ok, bon, je vais le finir, mais je veux dire non, non. Alors là, après, quelqu'un qui aime les expressos, je suppose que c'est pour ça, c'est pour ce truc qui te met un coup de fouet, quoi. Ah, moi, non, 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 non. C'est-à-dire que je mets pas de lait dans mon café, mais. Mais non, moi c'est des grands cafés quand même. Hein. Le boire sans sucre, il n'y a pas de problème. Je bois régulièrement mon café sans sucre, on va dire une fois sur deux. Et moi en plus, je mets de la stevia. Je mets même pas du vrai sucre parce que bah, ça fait des années que je prends de la stevia et maintenant je suis habituée. Et encore, une fois sur deux, je zappe et je le bois quand même, c'est pas grave en soi. Mais là non, là non. Là, personnellement, c'est un flop. Voilà. Donc je vais le finir, mais... bref, je vais faire mes carrés de. Non, je vais pas le finir. Bon, et de toute façon, là j'ai bu 3 gorgées, j'ai bu les 3 quarts. Il reste juste. Il reste en fait ce que je laisse dans ma tasse normalement. Parce que moi je ne finis jamais les fonds de tasse. Voilà, ça c'est à peu près ce que je laisse dans ma tasse. D'habitude. Quand je bois un café. Voilà, ce qui a le don d'énerver mes proches. Mais ils ont l'habitude maintenant, je laisse toujours un fond. Voilà, bref, sur ce, moi et mes deux pierres, nous allons faire le calendrier, enfin les 3 cases, et je vous retrouverai après pour vous montrer le résultat avant d'attaquer les 3 autres, sinon je vais m'embrouiller, je vais plus savoir, parce que du coup c'est les cases du 5 là que je vais finir, et je vous montrerai avant d'attaquer les cases du 6. Voilà, bref, je vous dis à tout à l'heure. J'arrivais devant l'école et qui sait que je revois ? Les deux acolytes de ce matin. C'est peut-être un couple, mais je ne sais pas reconnaître. Est-ce que le gris, ça ne serait pas une femelle avec le bec gris ? Comme elle est plus petite, et plus petite, bien sûr. Plus petite et qu'elle a des plumes grises, ça se trouve, c'est une femelle. Et à mon avis, ça se trouve, parce qu'en fait, il y a une année, je vous avais montré, je crois, des photos, il y a un couple, c'était pas eux, mais un couple de cygnes qui s'est installé ici. Ils avaient fait leurs œufs et tout, c'était un petit peu l'événement du village. La mairie avait fait mettre des banderoles en fait autour pour que les gens n'approchent pas et tout. Enfin, c'était super cool pour eux. Et là, j'ai l'impression qu'ils cherchent à refaire un nid. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nettoyer cette espèce de rond là. Oh, ça serait trop bien parce que vous voyez, ça c'est mon chemin de l'école, le chemin où je prends tous les jours à pied. Et du coup, ils sont juste là. Ils sont trop beaux. Après, je me fais des films. C'est peut-être pas un couple, hein, mais. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nettoyer. Ils doivent chercher, ça se trouve, pour ouais, pour se faire un petit nid. Bref. Je pourrais rester là des heures, mais Arthur va m'attendre. Donc, je récupère le petit paquet. On rentre, on mange. Je vais faire une recette HelloFresh, je pense. Donc, je vous montrerai le résultat. Je ne sais pas si je vais filmer toute la recette, parce qu'à chaque fois, ça me demande une installation au niveau de la caméra. C'est un peu chiant. Mais je vous montrerai en tout cas le résultat avant de passer à table. Voilà. À tout à l'heure. Alors, vas-y mon amour. On commence. Attends, on a, ouais. Le 6. Faut qu'on mette dans la petite boîte tes chocolats, chérie, oui. Et tes bonbons. Oui, l'ours blanc. L'ours blanc. Ah, c'est une histoire. C'est moi qui te montre ce soir, je pourrais te la lire? Oui. C'est une nouvelle petite histoire? Ça, c'est cool, hein? Tac. Tac. Ok. Alors, lui. Vas-y. Évidemment, je vais avoir pareil que papa dans la case 6. Bah, si tu... Oui, tu t'es spoilé du coup en lui ouvrant le sien avant. Avant. Deux chocobons. Bah écoute, c'est bien. T'aimes ça toi ou pas les chocobons? J'adore. Je sais plus. Ah, bah nickel alors. Parce que j'en ai eu un là. Regardez, tout ça c'est ce que j'ai eu.
En 3 jours, du coup, ouais. Ça, ça compte pas. Avant-hier, hier et aujourd'hui. Ok. Moi, tout ce que j'ai ça eu. Ça te fait un sacré butin, t'en as pour un sacré bout de temps. Oui. Parce que nous, à la maison, on limite les sucreries, à mon amour. Mmh. Et t'as le droit de manger combien de sucreries par jour? 2 sucreries par jour, ce qui est déjà bien. Très, très bien même. Allez. Numéro 6. Attends, je le cherche aussi en même temps. Le 2 est fermé? Oui. Et pourquoi? Mais non, ah oui, non, mais il faut pas les refermer parce qu'après on sait plus, chérie. Je trouve pas. Ah bah moi non plus, je vois le 7, mais. Moi aussi. Le 6. Ah, trouvé. Ah oui. En même temps, je l'ai eu. Encore. Ah là. Tu les as déjà goûtés ceux-là ou pas? Non. Bah il va peut-être falloir en goûter. Ah, on est le 6, t'as toujours pas goûté. C'était quoi? Ça? Ok. Tu vois où qu'on a caméra? Ah, si, c'est bon. Alors, celui-là, le 6. Un œuf Kinder. Non, mais peut-être pas. Si. Moi, j'ai un Père Noël. Et allez! Bingo, j'ai gagné. Un bébé Père Noël. C'est mignon, le petit Père Noël, quand même. Et on finit par le bonbon et celui-là, après. Vas-y, normalement, tu commences par le bonbon. Ah ouais, c'est vrai. Par contre, t'as tout entassé, là, ça va? C'est là, pas trop haut? Trouvé. Oh, qu'est-ce que ça va être? Oh, un nouveau bonbon. Ah, c'est vieux ça, je crois. C'est quoi? C'est des petits rouleaux. Regarde, on a plusieurs dedans. Donc genre rien que ça, ça va te faire déjà plusieurs jours. Ok. Je sais plus comment ça s'appelle. Roulette. Allez, Haribo roulette. Venez voir. Allez, vas-y. Attends. Le calendrier de ma mamie. De ta petite mamie d'amour. Le 6. Là. Là, je sais déjà qu'est-ce que c'est tout plat. Ce que c'est. Ce que c'est tout plat. Ah non. Ah, ça veut dire que c'est un des gros cadeaux. Oui, je l'ai déjà repéré là-dedans. Tu l'as déjà repéré? Mmh. Il est là. Mais c'est de la triche, ça, non? Non. Je l'ai vu au hasard. C'est comme quand tu découvres le sapin le matin et que tu commences à zioter les prénoms qui sont écrits sur les paquets. C'est pareil, ça, hein. Mmh. Mmh. Vivement le coiffeur, hein. Regardez l'épaisseur qu'il a. Il est comme moi et Arnaud. Cadeau. On va y aller soit le week-end prochain, enfin avant Noël, soit le week-end prochain, soit l'autre. Cadeau 6, vas-y. Ah bah oui. Hein. Qu'est-ce que ça va être? Attends, t'es sûr que c'est le 6? Ok, vas-y. Je te fais confiance, mais des fois on peut se tromper. Mais qu'est-ce que ça va être? Attention. Oh, un livre de coloriage Pokémon. Oh, les Argus. Les Argus, waouh. Pikachu. Tu veux Pikachu? Il est joli le papier en tout cas. Regardez, il y a l'Arméléon, ouais. Pikachu, Flamino, ouais. Et Whispity. De quoi, maman? Il y a Pikachu. Non, j'ai cru que papa il avait parlé. La baille. Ah, c'est mes. Attends, il y a écrit quoi? Ah, bah vas-y. Mes coloriages. Cherche et trouve à Dalra. Non. Dalar. Ouais. Mes coloriages, cherche et trouve. Ah, donc c'est coloriage plus jeu, je pense. Mmh. Cherche et trouve. Waouh. Ah oui, tu dois, à mon avis, il y a des jeux plus du coloriage, tu vois. Alors, voilà la recette du jour. C'était gratin de gnocchi, fromage italien, sauce tomate, servi avec de la batavia et des rubans de carottes. Et tadam! Voilà le résultat. Je suis plutôt fière, ça a l'air bon. Donc deux petites assiettes, ça va, les quantités sont pas d'habitude. La plupart du temps, les quantités sont vraiment énormes. Et là, tant mieux d'un côté, hein, tant mieux. Mais là, franchement, ça fait une petite assiette tout à fait raisonnable. Voilà. Bon appétit. Re-coucou, je suis sur le chemin de l'école. Il est 16h20, à peu près, je pense. Le vent, alors, il est pas si fort que ça, mais il est froid. Du coup, ça va. Je suis bien emmitouflée dans mon manteau. Vous me demandez souvent où je l'ai eu. Et je l'ai eu chez Gémeaux dans le rayon grande taille. Je crois que la plus petite taille, c'est 46-48. Donc si vous faites moins, ben, il sera pas à votre taille. Mais alors, il taille un peu plus grand, je trouve, que la taille. Donc si vous faites 44-46, peut-être que le 46-48 vous ira. Et moi, j'ai préféré prendre bien. Moi, j'ai pas pris 46-48, j'ai pris
la taille du dessus. 50-52, je crois. Donc, c'est très grand. Moi, il me va bien grand. Et je mets, j'ai anticipé parce que, déjà, j'aime pas être boudinée dans mes trucs. Et je me suis dit, voilà, si en hiver, je mets des pulls. Bon, j'en mets rarement, mais imaginons. J'avais pas envie d'être serrée. Et vous voyez, genre... ouais, vous voyez pas trop, mais bon, je suis plus que... Les manches, ça va encore. Bon, c'est un peu grand de partout. La taille du dessous, je l'ai essayé, elle m'allait. Je le fermais, je le bien. Mais je me suis dit, allez, si je mets un pull, ça va trop me serrer, je veux pas être à l'aise, quoi. Bref, voilà, c'est tout. Il est trop bien. Et il existe en noir. Et je me suis fait violence, j'ai pas pris noir. J'ai pris blanc. Enfin, gris et blanc. Voilà, même si c'est plus salissant, c'est pas grave. Oui, tout ça pour dire ça. J'ai enfin fini mes carrés du jour. Enfin, du... Non, d'hier, pas du jour. Mes trois cahiers... Mais, pas mes trois cahiers... Pff, mes trois cases de mes DP d'hier. Voilà. J'ai dit carnet tout à l'heure. Je suis fatiguée, je suis désolée, je suis fatiguée. Donc, mes trois cases d'hier, je les ai terminées. Je vous montre ça dès que je rentre. Enfin, avant, je vais faire écouter Arthur, lui faire ses devoirs. Enfin, lui faire faire ses devoirs, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Et vous montrer les cases d'hier. Et comme ça, bah, fin d'après-midi, ce soir, j'attaquerai tranquillement les cases d'aujourd'hui, donc du 6 pour moi. Par contre, je pourrais sûrement pas vous les montrer dans le vlog aujourd'hui. Je vous les montrerai demain. Voilà. Faudrait que j'arrive à me remettre bien à jour pour vous les montrer vraiment à la clôture du vlog. Mais là, à cause du retard que j'ai pris... Que se passe-t-il? C'est le héron, je crois. On a un héron qui est tout le temps là depuis des mois. Du coup, des fois, on l'entend. Bref. J'étais en train de dire quoi? Je ne sais plus. Oui, il faudrait que je me remette d'aplomb, mais là, avec du coup, le hier, le retard que j'ai pris... Voilà, bref, c'est pas très grave en soi, du moment que je fais mes cases, c'est le principal. Est-ce que les signes sont encore là ou pas? Je crois pas. Ils sont pas là ce soir. Oh, bon, il y a du vent, je vous laisse parce que vous allez encore rien entendre. Et je vous dis à tout à l'heure. Les poux de la reine. Ouais. Alors, je te lis le texte? Oui. Une bande de poux a envahi la tête de la reine. Son chambellan examine les cheveux de la souveraine avec une loupe et il découvre tout un monde. Chaque poux porte un nom rigolo et il joue comme des fous. La reine devient folle. Alors le chambellan envoie de la poudre blanche sur la tête de la reine et tous les poux s'en vont, sur une autre tête bien sûr. Et les poux reprennent leur vie de poux. Alors, entoure les expressions qui correspondent à la reine. Alors, la première expression c'est la souveraine. Oui. La jolie poubelle ou sa majesté? Sa majesté et la première. Ouais. Vas-y, faut les entourer. Facile. Il est arrivé du premier coup. Tu veux pas que je te la relise une fois? Non. Eh ben vas-y, je t'écoute. Il fallait s'en douter. Le titre. Oui, le titre. Mon papa Noël, il fallait s'en douter des mois de l'année, décembre et préféré de son. Oui, prends ta respiration. Non, c'était ma salive, je parle de ma salive. Quand je parle, des fois, tout le temps, ça met la salive dans la bouche. Bah oui, c'est pratique, ça sert la salive. Bon, vas-y. Bonjour. Oui, vas-y. Il fallait s'en douter des mois de l'année, décembre. Parle, attends. Alors, enlève tes mains devant la bouche et reprends. Il fallait s'en douter des mois de l'année, décembre, le préféré des enfants. Le premier jour dans le calendrier, ils découvrent leur surprise de l'avant. Puis on écrit sa lettre au Père Noël en espérant avoir été bien sage. Non, t'avais raison, sept. Cette année encore, la fête sera belle et très magique pour son voyage. Bravo! Donc là, les quatre prochaines, c'est pour vendredi normalement. Donc t'as encore le temps. Et tu sais déjà, presque 100, là, t'as juste sur cette année, t'as failli dire un autre truc, mais c'est pas grave, vendredi, tu le sauras. Ok? Soutenir ça. Il ne souffre plus. Quand le chaton s'endormira, tant qu'il le couchera sur un mouchoir dans une boîte. Oui. Faut qu'il soit au chaud. Ah. T'as cru quoi? Qu'il allait le vendre.
Mais non. Sur un mouchoir toxique et rempli de joie, il s'occupera bien du petit chat. Bien. Recoucou, je vous retrouve. 17h27, les devoirs sont terminés. Et j'ai fini mes cases d'hier. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais vous les montrer avant d'attaquer les cases du jour. Et j'aimerais bien les faire avant minuit. Comme ça, je vous les montre vraiment demain matin en dégustation du café. Enfin, après la dégustation du café. Et demain, dans la journée, avant la fin du vlog, je pourrai faire les cases donc, du 7 demain. Et vous les montrer. Voilà, comme ça, j'aurai rattrapé mon retard. Ça serait bien. Donc, sur la toile. Sur la toile du Père Noël. Et ça commence à prendre forme. On commence à bien voir. La case que j'ai fait aujourd'hui, c'est la botte. Enfin, c'était la case d'hier, normalement. C'est pas la case 6, c'est la case 5. Voilà, la petite botte. Et la case que je vais faire donc aujourd'hui, la case numéro 6. Numéro 6, c'est tout en haut. C'est le E-R... E-R-Y. Ou E-R-R, j'arrive pas trop à voir avec les stickers. Enfin bref, c'est un bout du mot Merry. Merry Christmas. Voilà, donc ça c'est trop cool. J'aime bien faire les morceaux de lettres. Ensuite, le bonhomme de neige, j'essaie de me souvenir. Alors, je vous montre déjà de loin. Et le bonhomme de neige, j'ai fait ici. Là, voilà. Là, j'avais déjà fait celle-là auparavant. Et là, j'ai fait ce carré-là. Et la case du 6 que je vais faire donc aujourd'hui, avant minuit, pour ne pas avoir trop de retard, c'est ici. Donc, un bout, un petit bout du visage du bonhomme de neige et un petit bout du visage du faon ou du daim, là. Voilà. Et sur la toile de la cheminée de Noël, j'ai fait cette case-là. Avec un bout du sapin et un bout des cadeaux. Voilà. Et la case 6. 6, 6. Ça fait tout. Ah, et bien c'est la première tout en haut. Voilà, donc il y a un petit bout de chaussette et bon, il n'y a pas grand changement. Ouais, si, si, un petit peu. Ça va, c'est moins confetti que la case que j'ai fait là. Parce que là, avec la guirlande, les boules, le sapin, il y a plusieurs teintes de vert et tout. Non, là, ça va aller plus vite. Voilà. Donc, je vais faire... Voilà, je pourrais sûrement pas vous le montrer là dans le... avant de clôturer le vlog tout à l'heure. Parce que là, je pense que quand Arnaud aura fini de bosser, je vais déguster le thé et on fera l'énigme et je clôturerai le vlog. Mais je pense que je pourrais vous montrer ça, du coup, demain matin. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour l'énigme. Bisous. Dégustation du thé d'Aman. Alors, attendez, c'était quoi déjà? Petit chocolat? Mon petit chocolat. Bon, ça sent très très bon. J'adore ce genre de thé gourmand qui fait bah, très automnal, hivernal. Alors. Il est très bon. C'était quoi déjà qu'il y a dedans? Il y a de la menthe. Ah oui, il y a de l'amande. Ouais, bah c'est ça, c'est un goût de petit biscuit, de petit sablé à l'amande, avec un espèce de goût de cacao derrière. C'est très très bon, j'aime bien ce thé-là. Je crois que c'est la deuxième année qu'on l'a. Et il est très très bon, je valide. Ok. Je suis en train de faire... Alors, je vous ai montré les trois cases, et là, je suis en train de faire la case du jour de la toile cheminée, que j'ai bientôt terminée, donc il ne me restera plus que deux cases ce soir. Et normalement, je pourrais vous les montrer demain matin. Bref, pour clôturer ce vlog, nous allons faire l'énigme et la gagner, bien évidemment, l'énigme du père Fouras, qui soi-disant est connue, mais quoi tu m'as dit? Faut la connaître? Je sais pas. Je sais plus ce que tu m'as dit. Elle est connue, mais je sais pas quoi. Donc, bah, est-ce qu'il faut que je note? Ou ça va? Oui. Ah, faut que je note? Ah bah attends, parce que j'ai ma toile devant moi, ça va être pratique, cette histoire. Crayon papier... Oui, c'est bon. Attends, attends. C'est bon. Attends, non, je vais changer. Pourquoi? Parce qu'elle est trop longue à lire, ça me fait chier. Attends. Moi, ouais, j'attends, j'attends. Ah, mon aft. Il me fait tellement mal, mais tellement mal. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Là, il est 18h45. Comme ça, je vais pouvoir commencer un petit peu le montage avant la soirée. Voilà. Attends. C'est même pas des énigmes made in by Père Fouras. J'ai autre chose à foutre.
Bah, un vrai père Fouras fait ses propres énigmes. Ou sinon, tu tapes énigme du père Fouras. Il y a peut-être des vrais. Parce que moi, j'aime bien les énigmes genre mon premier, mon second, D'accord. Et tu sais que quand tu regardais Fort Boyard, j'étais assez forte aux énigmes du père Fouras. Hein. Mais je vais continuer mon DP, quoi. Non, mais ça vient, ça vient. Attendez, ça me pique les yeux. Hier. Ah bah si, oui, si tu proposes celle d'hier, je veux bien la refaire, maintenant je connais la réponse. Hein. Je vais avoir envie de faire pipi. Bah va. Bah non, j'attends, ça va. Je sens que l'envie, elle va pas tarder à être là. Oh ah bah bonjour tout le monde, nous sommes le 7 décembre. J'en veux plus. Ouais, on va faire celle-là. Allez, celle de base, c'est celle que tu voulais faire de base. Ah, pourquoi vous me faites chier? Déjà, tu parles meilleur, là. Vas-y. Donc. Ah bah attends, si je prends le crayon à l'envers. Vas-y. Plus j'ai de gardiens, moins j'ai je suis gardé. J'ai pas fini. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Plus j'ai de... Ah, il faut trouver un truc. Ça, c'est au père Fouras, ça. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Attends. Moins je suis gardé, ok. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Oui. Qui suis-je? Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Est-ce que la réponse est facile? Redis déjà l'énigme pour voir si tu l'as bien noté. Attends. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Oui. Est-ce que le mot, la réponse, est-ce que c'est un mot que je connais au moins? Oui. Ah, bon. Je demande au cas où, alors. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Oui. Ouais, non, mais tu m'as donné un truc encore infaisable. Ah bah écoute... Genre un trésor? Oui, bien sûr. Plus j'ai de gardiens, ben non. Moins j'ai je de gardiens... Oui, vas-y, vas-y. Joséphine Ange Gardien. Tu as l'image sur mon PC. Ouais. N'importe quoi. Plus j'ai gardien, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardien, plus je suis gardé. Tu la connaissais, toi, avant de... Mais non, mais je réfléchis. Tu la connaissais ou pas, avant? Non, mais je l'ai vu. Tu l'as deviné, oui, mais tu l'as deviné avant de regarder la réponse. Évidemment. Moi, permets-moi d'en douter, c'est facile de dire ça. Hein. Mm-hmm. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Plus j'ai de gardiens. Ça peut être soit un truc de, soit garder un trésor, soit garder, c'est quoi que j'avais pensé? Bah garder un but ou garder. Ah, un gardien de prison, aussi, j'ai pensé. Ah, tu t'es, toi, là-bas. Gardien de troupeau. On dit pas un gardien. Si? Un gardien de troupeau? Mais non, mais il m'embrouille l'esprit, ce gosse. Attendez, moins... Non, plus j'ai de gardiens... Alors, imaginons prison. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Bah non, parce que plus il y a de gardiens, plus t'es surveillé. Donc... je pense pas, le trésor, on avait dit non, le but, mais le but ça marche pas non plus. Plus j'ai de gardiens dans le but, moins je suis gardée. Bah non, parce que s'ils sont dans le but, ils gardent le but. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardée. Oh, des enfants. Ouais. Plus j'ai de gardiens, bah non, ça marche pas non plus. Mais y a rien qui marche, la phrase n'est pas cohérente. Plus y a de gardiens, plus t'es gardée, c'est logique. Hein? Quoi? Plus t'as de gardiens, plus t'es gardé, c'est pas le contraire. Je t'ai pas dit que les deux étaient vrais en même temps. Comment ça? Ça veut dire quoi, ça? Si tu as beaucoup de gardiens, ce n'est pas bien gardé. Si tu n'as pas beaucoup de gardiens, c'est bien gardé. Oui, ça mais... veut pas dire que les deux se font en même temps. Non, mais c'est pas ça que je te dis, moi. Je te dis que c'est pas logique. Bah si. Bah non, parce que plus t'as de gardiens, bah plus t'es gardé. C'est, hein. C'est une énigme basée sur la logique. Mais on sait très bien que t'es pas logique. Je suis sûre que c'est pas un truc de logique, ça. D'accord. Donc je devrais trouver.
Trouverait. Hé ! Dans votre trouverait. Je suis fatiguée. Ouais, on sait que c'est que ça le problème, effectivement. C'est la charge mentale. Ouais. Bah, trop de charge mentale. Bah oui, la fameuse, oui. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Plus j'ai de gardiens... Une balle ? Garder... Genre un truc de foot, garder une balle ? Oui. Plus j'ai de gardiens... Bah non. Un gardien... Bah moi, à part le gardien de foot, gardien de prison... Mais on dit même pas un gardien de prison, on dit un garde... Non. Un garde de prison. Un gardien de prison. Oui. Ouais, mais ça peut pas être genre un voleur. Plus j'ai de gardien... Moins j'ai de gardien, plus je suis gardée. Oh ! Plus j'ai de gardien, c'est là une balle. Plus j'ai de gardien... Parce que... Attends. Plus j'ai de gardien, moins je suis gardée. Le ballon, non ? Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardée. S'il n'y a pas trop de gardiens, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs et que la balle, elle est en action. Plus il y a de gardiens, moins la balle, elle est... Mais des gardiens, t'en as que deux sur un terrain. Je sais que je suis nulle au foot, mais quand même. Mais ça peut, ça, non ? Ça peut ou ça peut pas, ça ? Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardée. Le ballon, la balle ? De foot, le ballon. Mais arrête de m'embrouiller l'esprit. Arthur, viens essayer de deviner. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Plus il y a de gardiens, moins la balle, elle est gardée. Et moins il y a de gardiens, plus la balle, elle est gardée. Ça se tient. Je pense que c'est pas ça. Mais... Vas-y, je dis la balle slash le ballon, quoi. Ça dépend comment ils ont fait l'annonce. C'est son dernier mot ou pas ? Essaye de résoudre l'énigme. Viens voir. Plus... Écoute, je te la lis, Arthur. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardée. Qui suis-je ? Une balle. Bah moi, c'est ce que j'ai dit. Une... Bon, mais c'est parce que tu m'as entendu que tu dis ça. Une balle slash un ballon, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Perdu. Quoi ? C'est quoi ? Un secret. Oh, en plus, on la connaît, ce truc à la con ! Mais oui, je l'ai déjà entendu ! Plus j'ai de gardiens, bah oui, le secret, plus il y a de personnes qui connaissent un secret, moins il est bien gardé, et moins il y a de personnes qui connaissent le secret, mieux il est gardé, je la connaissais ! Tiens, c'est juste, je m'en rappelais plus. On va pas gratter un jeu à gratter. Oh. Je la connaissais. Là, c'est là. Et si je la connaissais, je peux gratter une des deux cases. Tu peux gratter les deux, en fait, les deux cases. Eh, je peux en gratter une. Mais je connais. Ton énigme. Je connaissais. Je m'en fous. Tu prends une petite pièce et tu vas gratter les deux cases que je t'ai montrées. Le nanananer, tu peux te le garder, merci bien. Oh, mais on l'a. Je l'ai déjà entendu, tu vois. Je l'ai déjà entendu. Très bien. Je suis contente pour toi. Je suis dégoûtée. Je suis. M'en fous, j'ai mon petit calendrier de l'avant à gratter. Alors, c'est pas autant qu'un petit ticket, mais bon, c'est pas grave. Où est ma pièce magique ? Là. Mais c'était tellement facile en plus ! Enfin, c'était. Non, mais en vrai, c'était dur. Voilà, mais. Oui, mais je l'avais déjà entendu en plus, c'est juste, j'ai pas de mémoire. Mais j'ai pas de mémoire. On est le 6. Oh, c'est une toute petite case. Un sapin. Ah bah c'est bête, moi j'en ai une. Il y en a une sur la, dans la salle de bain. Une cloche et un renne. Mais, c'est nul. Bah j'ai pas gagné. Ni l'énigme, ni le calendrier. Eh, si ton ticket est gagnant, c'est le pompon sur la Garonne là. Bah gratte qu'on sache si c'est gagnant. C'est tellement logique quand tu le sais, la réponse. Mais me fais pas croire que tu le savais avant d'avoir lu. Non. Quand tu connais la réponse, c'est tellement logique. Qui avait trouvé ? Dites-le moi en commentaire. C'est un peu notre jeu du quotidien. Qui avait trouvé sans mentir ? Attention.
Eh, je vous vois. Qui avait trouvé? J'avoue que j'avais déjà entendu, mais je m'en souvenais pas. Alors? Mais alors, pourquoi il me... Non, il a... si c'était gagnant, il aurait... J'ai perdu. Ah, t'as perdu. Allez. Nananananer, t'as perdu. Nananinaner, crotte de biche. Crotte de biche. C'est une variante de crotte de bique. Et crotte de biche, c'est tellement vieux. Il met au goût du jour les expressions. Je suis désolée, crotte de biche. Crotte de biche. Ouais, crotte de bique. Eh oh, tu vas voir toi. Bref, sur ce, j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. De quoi? Je vous retrouve demain pour un nouveau jour. Nous serons, c'est bien conjugué, le 7 décembre. Déjà, c'est... On finira la première semaine de ce mois de décembre. Ça passe beaucoup trop vite. Et mine de rien, on s'approche bientôt déjà de la moitié, puisque les vlogs s'arrêteront le 25. Donc, on est presque déjà à la moitié. Non, pas du tout. Bah, pas du tout, 7 et 7, 14. Bah non, pas du tout. On s'y approche quand même, mais pas aussi vite que ce que j'avais pensé. On n'est pas... On s'y approche. Bah si, on s'y approche. On s'en approche. Bon, on s'y approche, ça se dit aussi, mais si. Non. Mais si, mais si, mais si. Mais si. Non. Si. Non. Si. Non. On s'y approche... Ça ne veut rien dire. Moi aussi. Non. Bon, vous avez compris, quoi. C'est le principal. Bref, sur ce, je vous laisse. J'ai quelqu'un à ziser. Et je vous dis à demain pour... Enfin, de bonne heure et de bonne humeur pour une nouvelle journée ensemble. Bye bye!